celui-là. Je suis blogueuse et youtubeuse beauté depuis 4 ans maintenant. J'ai un blog et une chaîne YouTube qui s'appelle Beautiful Naturel, où je partage avec mes abonnés, mes lectrices, mes idées, mes conseils, mes astuces en maquillage, mais également en coiffure. J'ai beaucoup aimé cette formation. Parce que j'ai appris énormément de choses. Alors j'ai déjà des bases évidemment, hein, je maquille déjà, je fais déjà des tutos sur internet, mais j'ai pu déjà faire le tour des connaissances, donc savoir par exemple qu'est-ce qu'il faut savoir pour les peaux noires et métissées, c'est-à-dire au niveau du teint. On peut avoir des taches, on peut avoir des cernes un peu plus marquées, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont très très spécifiques des peaux noires, donc j'ai pu faire le tour de tout ça. Et j'ai pu également voir différentes techniques de maquillage, que ce soit au niveau des yeux, du teint, des lèvres, donc voir tout ce qui est maquillage nude, voir les maquillages de soirée, l'eyeliner, le smokey eyes. On a fait vraiment beaucoup de choses, je trouve, donc c'est très complet. J'ai aimé le fait qu'on ait 3 heures de pratique l'après-midi et 3 heures de cours le matin. Je trouve ça, c'était vraiment, vraiment intéressant d'avoir différents modèles aussi. On aurait pu travailler sur différentes couleurs de peau et formes de visage aussi. Donc je trouve que c'était très varié à ce niveau-là, même si on se dit que c'est une formation qui est hyper spécifique, on a pu quand même voir des sujets assez variés en lien avec le maquillage, bien évidemment. Je pense que pour suivre cette formation correctement, il faut quand même avoir des bases un petit peu en maquillage, ou en tout cas être passionné de maquillage pour voilà, avoir envie d'apprendre déjà. Et puis... bien pouvoir faire assez facilement, en fait, pouvoir déjà pratiquer facilement, c'est-à-dire que on voit quand même l'ensemble des choses à savoir, c'est-à-dire au niveau du teint, comment réaliser un joli teint, comment maquiller des yeux, les mettre en valeur, etc. Mais on va surtout passer du temps sur les spécificités des peaux noires et métissées. Donc je pense que ça conviendra peut-être mieux aux personnes qui ont des bases, ou alors aux personnes qui sont peut-être même déjà professionnelles et qui ont vraiment l'habitude de travailler les peaux claires et qui veulent apprendre un peu plus sur les peaux noires et métissées. Je trouve que c'est une formation très enrichissante, complète, et elle m'a permis de voir le maquillage sous un point de vue un peu plus professionnel, puisque moi la plupart du temps je proposais des maquillages plutôt simples, un peu plus pour débutantes en fait, ou pour des gens qui sont un peu pressés. Donc là, ça m'a permis de travailler d'une autre manière, donc d'avoir des points de vue aussi de professeurs qui étaient enrichissants et qui m'ont permis de peut-être travailler un peu plus les détails, m'attarder un peu plus sur les détails, vraiment de perfectionner le tout. Encore une fois, je répète ce mot, mais ça a été vraiment... la conclusion principale en fait de cette formation pour moi.